نحن سعداء جدا بتنظيم ديال هذه البطولة العالمية لكرة القدم المدرسية بالمملكة المغربية، وبكل صراحة يعني جميع الضمانات متوفرة من أجل إنجاح هذا التدور. أنا واحد نظرا لواحد المجموعة ديال الأشياء، الحمد لله اليوم المملكة المغربية تعتبر يعني نموذج في الارتقاء بالرياضة الوطنية بفضل الرؤية الاستراتيجية والمتبصرة لصاحب الجلالة، وكذلك المجهودات اللي تم بذلها على جميع المستويات وفي جميع الرياضات، خصوصا الأمر لما يتعلق بكرة القدم. وكذلك يعني التجربه الكبيره اللي اكتسبها المملكه المغربيه في تنظيم التظاهرات الدوليه، راه تقريبا في السنه كاين واحد المجموعه ديال التظاهرات، فاكيد هذه ضمانه اخرى. وكذلك التجربه اللي كانت الاتحاد الدولي مع المملكه المغربيه في تنظيم الجيمنازيات في 2018 في مراكش، واللي كانت ناجحه بكل المقاييس. فنحن اكيد يعني عارفين بانه هذه التظاهره راه غتكون متميزه، لا في الشق المتعلق بالمنافسه ولا الشق كذلك الاكاديمي ولا كذلك الشق الثقافي. وبطبيعه الحال نتمنوا اكيد يعني النجاح لجميع الفرق، ولكن خصوصا الفريق ديال الوطني. الجانب اخر هو انه الحمد لله اليوم الجمهور المغربي هو معروف من بين احسن الجماهير، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المتعلق بكره القدم. فلذلك ادعوهم، غادي يكون حفل الافتتاح اليوم في المركب ديال مولاي عبد الله، باش انهم يحجوا بكثافه من اجل حضور هذا الافتتاح واعطائه النكهه اللي كيطلبها. ومرة أخرى نحن واثقون بأنه هذه التظاهرة غادي تكون ناجحة بامتياز. Nous sommes ici à Rabat au Maroc pour l'organisation des championnats du monde scolaire de football 2023. C'est un très gros événement aujourd'hui, pratiquement une trentaine de pays à la fois en garçons et en filles du monde scolaire viennent s'affronter dans le meilleur état d'esprit. La compétition, oui, mais le fair play aussi dans cette belle ville du Maroc. Je tiens à souligner plusieurs éléments. D'abord, avoir le haut patronage de son Excellence La Majesté Mohamed VI, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. Pourquoi ? Parce que ça garantit d'abord tout l'aspect de l'organisation. Mais au-delà, ça montre une vision du sport scolaire telle que nous la portons aussi à l'ISF. C'est-à-dire que le Maroc est capable d'organiser les plus grands événements sportifs internationaux, on le sait, et a une grande réputation par rapport à ça. Mais n'oublie pas et n'oublie jamais la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir du monde. Au Maroc, la jeunesse, mais aussi la jeunesse du monde. Et cette vision est absolument exceptionnelle. Et derrière ces grandes visions que je viens de décrire, il y a bien sûr toute la mobilisation du pays pour la qualité de l'organisation, les terrains, l'hospitalité, l'accueil dans l'université, le transport, la restauration et au-delà de ça, l'état d'esprit des Marocains, le bienvenue au Maroc, ce n'est pas juste une phrase, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir à chaque lieu où on est ici au Maroc. Donc je tiens à exprimer au nom de l'ISF notre plus grande satisfaction d'être ici à Rabat en 2023 pour ce championnat du monde. Le Maroc devient un pays modèle dans le monde, tout le monde observe. J'étais en Chine il y a 15 jours, ils m'ont dit mais comment ça se fait que le Maroc a atteint la demi-finale? Mais il n'y a pas de hasard, en football il n'y a pas de hasard. Parfois, on peut gagner ou perdre, mais quand vous atteignez la demi-finale de la Coupe du Monde, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que derrière, il y a du travail de formation. Ça veut dire qu'il y a de l'encadrement, il y a des coachs. Ça veut dire qu'il y a des installations sportives. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit d'un pays. Et tous ces éléments sont aujourd'hui réunis au Maroc. Donc l'avenir appartient au Maroc. Nous avons participé à cette compétition avec un équipe de football. Depuis le premier jour où nous sommes arrivés à la Maghreb, الأخوان يعني حسسون أن نحن في بلدنا الثاني من الاستقبال والتنظيم وكل الترتيبات لهذه البطولة. نشكر الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على دعمه اللامحدود لهذه البطولة.